Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes sur RTI2 et vous faites le bon choix. Dans l'actualité de ce début de week-end, ce 23 juin marque la célébration de la Journée internationale des veuves. À cette occasion, notre équipe de reportage a visité des veuves de la commune d'Abobo, souvent en marge de la société. Elles ont besoin d'aide. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, les Maliens approuvent le projet de la nouvelle constitution avec 97% des voix. Voici pour les titres. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler agriculture. Le manioc est une plante qui offre une diversité de mets produits à partir de son tubercule. En plus de cela, ses feuilles sont consommées et il est beaucoup prisé par le peuple Yakuba. À Gozio-Gouiné, village de la commune de Logualé, certaines femmes ont fait de sa culture leur principale activité. Pour alléger ou réduire la pénibilité du travail, elles se sont mises en coopérative. Cependant, l'écoulement du fruit de leur labeur demeure encore une équation compliquée à résoudre pour ces braves femmes qui veulent sortir, bien sûr, de la précarité. Théodore Zozo et Gilles Tonien ont passé une journée avec elles. Voici leur compte-rendu. Gozio-Gouiné 1, village de la commune de Logualé, dans l'ouest du pays. Il est 7h30. Émilienne, fille du village, est agricultrice. Elle est prête à se rendre dans son champ de manioc. Émilienne est membre de l'association des femmes cultivatrices du village Iko Dessor, entendez vivre ensemble en langue Yakuba. Et c'est elle qui reçoit les membres de ce groupement agricole. Nous travaillons en groupe. Aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, j'attends mes camarades. On va aller dans mon champ, champ de manioc. Aux environs de 8 heures, arrivent quelques membres d'Iko Dessor au village d'Émilienne. Après les civilités, les cultivatrices prennent la route du champ en chantant, une façon de traduire leur joie d'être ensemble. Une fois dans la plantation de manioc, ces femmes s'en prennent aux mauvaises herbes et arbustes. Un véritable combat. Ces intrus sont ôtés à coups de machette ou de houe. Les jeunes plantes recouvrent leur liberté sous l'action de cette jante féminine, toujours galvanisée par la chanson. Nous sommes au nombre de 30 femmes. Mais on s'est mis à l'association pour ne pas qu'on donne, on demande la main aux gens. Il faut que nous-mêmes, on cherche notre argent pour pouvoir nous occuper de nos enfants et aider nos maris. On fait kéké avec ça aussi. On fait placari et ce qu'on appelle la solution là. C'est placari qu'on appelle solution. C'est ça qui nous aide beaucoup même. Un groupe, ça donne le courage de travailler. Donc avec le groupe, on travaille en harmonie et puis ça nous donne vraiment la joie. Moi, ça me donne la joie. Ça fait qu'on a le courage de travailler. Ça me permet d'agrandir mon champ. Puis ceci et ceci, je ne peux pas faire tout ce que j'ai fait là. Un travail pénible avec beaucoup de difficultés liées à l'écoulement des fruits de leur dur labeur. Souvent, tu envoies deux sacs au marché. S'il n'y a pas preneur, souvent, ils ont acheté pour 1000 francs. Le reste là, tu vas te retourner à ça au village. Quand tu viens, tu vas faire comment? Ça se gâte dans ta main. Donc, si on a une usine ici, on sera à l'aise et puis heureuse. C'est la pause après 2 heures de nettoyage. Les travailleuses font un tour dans le second champ d'Émilienne où le manioc est en maturité pour avoir la provision du jour. Les feuilles de manioc et les tubercules sont consommées. Quant à la tige, elle est encore plus précieuse. Je viens de déterrer manioc. Comme la tige, quand ça, on plante, ça pousse. Donc j'ai recoupé pour planter la tige. Pour que l'année prochaine, on puisse avoir du manioc à manger, à y vendre aussi. Cap est mis sur le village. L'arrivée est encore joyeuse. Cette étape passée, certaines s'occupent de la préparation du dîner et d'autres du placali nommé ici à Gozio-Gouiné et dans toute la commune de Logualé, solution. Une partie de leur récolte est vendue et transformée en attiéké, vendue sur le marché local. Enfin, le placali, on vend seulement, ça se limite au niveau d'ici, quoi. C'est, le marché, c'est pas trop ça, mais on fait avec. Notre souhait est que l'État se tourne vers nous, en tout cas pour valoriser notre manioc. Les difficultés sont les mêmes dans toutes les localités de la commune, ce qui oblige la présidente de l'association Iko Dessor de Gozio-Gouiné à se rendre au domicile du maire de Logualé. Leur préoccupation est en voie d'être résolue par le premier magistrat de cette localité. Il y a eu une importante subvention qui a été allouée aux femmes pour faire une ferme avicole, des productions de bananes, d'huile de palme, etc. Mais aujourd'hui, nous avons voulu transformer les produits vivriers, apporter une certaine plus-value
à la culture vivrière dans notre commune de Logualé par la construction d'une usine de manioc qui est en cours. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Le manioc est une plante originaire d'Amérique, précisément du sud-ouest du bassin amazonien. Riche en glucides, en amidon et en fibres alimentaires, il représente un réel avantage pour la santé selon les nutritionnistes. Sa production en grande quantité peut booster le développement de Logualé et sortir les femmes rurales de cette localité de la précarité. Dans la commune de Cocody, les responsables du lycée moderne ont récompensé les majors de promotion de l'établissement. Objectif, encourager les élèves à la culture de l'excellence. C'était en début du week-end dernier dans l'enceinte du dit établissement scolaire. Élément signé Yacouba Koulibaly, commenté par Anissette Conan-Blessing. Après une année de travail acharné à l'école, place à la récompense des meilleurs élèves. C'est tout le sens de l'organisation de la journée d'excellence par les responsables du lycée moderne de Cocody. C'est dans l'optique de l'école de qualité, parce que nous voulons donner l'exemple aux enfants et leur dire qu'il faut travailler d'arrache-pied, il faut mériter les bonnes moyennes, mériter les récompenses que nous leur donnons ici et surtout mériter les diplômes de fin d'année. Une initiative saluée par des récipiendaires et parents d'élèves. Il faut célébrer tous nos enfants qui fournissent des efforts, n'est-ce pas? Il faut célébrer aussi l'école, il faut célébrer les parents d'élèves qui aujourd'hui font pas mal d'efforts, n'est-ce pas, pour l'encadrement de nos enfants. Je suis très heureux d'être parmi les élus. La promesse que je fais à toutes ces personnes et à moi-même, c'est de donner le meilleur de moi-même pour que les années prochaines, je puisse encore être promu. Je suis heureuse en ce jour d'être parmi les meilleurs élèves de l'école. Devenue une institution, cette activité scolaire vise à exhorter les élèves à produire d'impressionnants résultats scolaires. À propos d'éducation, mais à l'intérieur du pays, le village de Bankassé, dans la sous-préfecture de Ravia, a un collège de proximité depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Cet établissement secondaire vient mettre fin aux difficultés des parents d'élèves qui n'arrivaient pas à suivre l'éducation de leurs enfants. Pour encourager les apprenants à réaliser de meilleurs résultats, les plus méritants de la première promotion ont été distingués récemment. Témoignage, Soro Corona. Bankassé, regroupement de trois villages de la sous-préfecture de Ravia. Les écoliers admis en 6e sont orientés loin des parents. Une formation hors du cadre familial qui s'est fait avec beaucoup de difficultés. C'était difficile pour les parents puisqu'il fallait leur trouver des tuteurs. À défaut des tuteurs, les parents sont obligés de louer des appartements et cela crée des problèmes aux enfants. Et la faim, ça se termine mal, surtout pour les jeunes filles. Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, les enfants sont sur place pour la suite de leur parcours scolaire. Un collège de proximité des bases 2 est construit par le gouvernement afin de rapprocher l'éducation des apprenants. Le collège de proximité résout grandement nos problèmes, nos difficultés. Et j'en suis très content. Je remercie le gouvernement ivoirien. La première promotion est forte de 116 élèves. Pour inciter les apprenants au travail, une journée du mérite est organisée. Les 15 meilleurs élèves ont reçu des prix afin de récompenser leur travail. Féliciter d'abord pour encourager, pour inciter les autres, même ceux pour qui les résultats ne sont pas bons, pour les inciter au travail. Il y a le temps de jouer et le temps d'étudier. Mais quand le temps d'étudier vient, il ne faut pas avoir honte d'étudier. Il faut étudier car l'étude paye toujours. Le sous-préfet de Ravia et André Koufi, cadre de Bankassé, parrain de cette journée du mérite, interpelle les parents sur le fléau des grossesses en cours de scolarité et les invite à la scolarisation de la jeune fille. Cela doit être fait partout en Côte d'Ivoire parce que c'est le combat du gouvernement. Faire en sorte que ces enfants puissent devenir les meilleurs au plan national. Et ces jeunes filles qui doivent remplacer les adultes tombent enceintes maintenant. Mais quel est l'avenir pour notre pays demain? Certains parents ont compris qu'il faut scolariser les jeunes filles. Mais la majorité n'a pas encore compris. Une fille qui vraiment réussit à l'école, elles font beaucoup de choses. Et on est fiers de voir des sœurs, ministres, sénatrices. Le principal du collège modèle de Bankassé sollicite la connexion de l'établissement à l'électricité, son addiction en eau potable et la construction d'un terrain de sport.
Ce vendredi marque la célébration de la Journée internationale des veuves. Selon l'ONU Femmes, elles sont plus de 380 000 en Côte d'Ivoire. Après le décès de leur conjoint, leur vie bascule. Certaines sont dans une extrême pauvreté avec des enfants à leur charge. D'autres se retrouvent en famille ou sont parfois rejetées, voire même exclues par leur belle-famille après la mort de leur mari. Souvent privées de leurs revenus, les veuves sont démunies et ne parviennent plus à nourrir leurs enfants. Dans notre pays comme ailleurs, elles sont souvent en marge de la société alors qu'elles ont besoin d'aide. À l'occasion de la célébration de cette journée mondiale, célébrée bien sûr chaque 23 juin, notre reporter Clarisse Kayala a visité des veuves dans la commune d'Abobo. Suivons son reportage. Abobo, quartier Sagbé. Saran, âgé de 58 ans, a été abandonné par sa belle famille après le décès de son époux il y a plus de 22 ans. Depuis la disparition de son conjoint, la vie de Saran n'a pas été la même. Après la mort de mon mari, bon, je n'arrivais pas à payer la maison. Donc mes parents m'ont dit de m'approcher, ma maman m'a dit de m'approcher d'elle. Puisque j'ai les enfants qui ne sont pas âgés, donc je suis venue à côté de ma maman. Saran souffre d'une maladie dont elle ignore le nom. Elle doit faire des examens médicaux approfondis pour découvrir le mal qui la ronge. Mais les moyens financiers lui font défaut. Difficile pour elle de se déplacer sans ses neveux, conscients de son état. Quand elle veut quelque chose, je prends un bouton. Je ne veux pas qu'elle souffre. Dans cette autre famille au quartier Soleil, toujours dans la commune d'Abobo, la situation est bien différente. Karidatou et ses enfants sont solidaires depuis le décès de son époux il y a plusieurs années. Ses enfants, conscients des défis auxquels ils sont confrontés, se sont engagés à participer aux charges de la maison. J'ai 6 enfants. Je me débrouille tout seul. Je suis avec mes enfants. On se débrouille ici. Depuis mon mari est décédé, on est dans la maison ici. Parce qu'elle est décédée pour nous laisser ici. Donc c'est ça, on est resté ici. Chacun se débrouille. Je me débrouille. Le jour on gagne, mais le jour on ne gagne pas aussi là. Même s'ils ont renvoyé mes enfants à l'école, si ils m'ont dit mon problème là, Dieu aussi a fait ça pour moi. Souvent même quand je parle, je pleure. Le directeur a dit que moi, il faut partir. Le jour qu'il gagne, il faut envoyer. On ne peut pas dire genre, on vit heureux, mais hein, on sent toujours les vies dans nous. On sent les vies parce qu'il y a les choses qu'on ne faisait pas quand il était là. Bon, quand il n'est plus là, on est obligé de... Pendant les vacances c'est élève, là, tu dois te reposer, bosser un peu. Mais quand tu es élève, après, tu dois te reposer pendant les vacances. Tu te retrouves à aller faire les petits boulots, tout ça. La rentrée encore là, c'est difficile. La Côte d'Ivoire compte 380 000 veuves, selon ONU Femmes. À l'image de Saran et Karidatou, la plupart vivent dans la précarité. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, célébrée le 23 juin, la situation de ces femmes ayant perdu leur conjoint mérite d'être mise en lumière. Prenons la direction de Grand Bassam, où l'association Les Élites de JLM pour le Développement a une nouvelle présidente. Elle a été investie le samedi dernier au Carrefour Jeunesse de la cité balnéaire. Sa nouvelle mission sera d'œuvrer pour l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes du Sud Comoué. La rencontre s'est tenue en présence du premier magistrat de la ville et d'Alassane Drabo pour RTI2. Nous sommes à la cérémonie d'investiture de la présidente des élites de JLM pour le développement de Grand Bassam. Après son investiture par le premier magistrat de la cité balnéaire, la nouvelle patronne des élites et les membres de son bureau ont été officiellement présentés au grand public. D'abord, nous sommes très heureuses parce que nous avons engagé ce mouvement vraiment pour le développement de Bassam. Donc, avec cette festivité, vraiment, nous sommes très heureuses. Nous allons mener des actions dans toute la commune de Grand Bassam. On est là pour le développement de Bassam. Tout ce qui touche au développement de Bassam, nous sommes partants. Que nos jeunes aient des emplois, qu'on finance leurs projets. Il y a des jeunes, même s'ils n'ont pas un emploi dans les bureaux, mais au moins qu'on finance leurs projets. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas de financement. En reconnaissance à son engagement à promouvoir la paix, la solidarité, l'union entre les fils et filles du Sud Comoé et ses actions de développement de la ville de Grand Bassam, les membres de l'association ont offert symboliquement un tableau au maire Jean-Louis Moulot pour refermer les portes de cette cérémonie.
Dans notre pays également, la Fédération des mutuelles de développement de la sous-préfecture d'Arikoka a organisé une rencontre de réflexion et d'échange sur la question de l'essor socio-économique de la région du Hambol. Et c'était le week-end dernier. Reportage Yacouba Koulibaly, Anissette Konan Blessing. Gaoussou et Eric sont conscients des difficultés quotidiennes des populations d'Arikoka dans le département de Katsiola, au centre du pays. En tant que fils du Hambol, ils aspirent à la réalisation d'infrastructures et à une symbiose intercommunautaire pour le développement de leur région. J'aspire véritablement à une cohésion entre les fils et filles de ma région. Là où on ne parlera pas politique, où on parlera d'une même voix pour tout ce qui concerne les phénomènes qu'on vit. Je peux citer l'orpaillage clandestin, comment éradiquer ce fléau, comment donner une place à la femme. Et également au niveau de la jeunesse, comment prendre les aspirations des jeunes pour que véritablement on connaisse ce qu'on appelle, on puisse vivre le développement. Nous sommes confrontés à un problème de route. Sortir, venir vers les centres de santé sont des problèmes pour nous. Pour trouver une solution aux peines des populations d'Arikoka, la Fédération des mutuelles de développement de la sous-préfecture d'Arikoka a organisé une rencontre de réflexion et d'échange sur la question de l'essor socio-économique du Hambol. Nous avons pensé à un moment donné que toutes les mutuelles de cette sous-préfecture avaient pratiquement les mêmes objectifs, qui est le développement de leur village. Et donc nous avons pensé qu'ensemble, nous pouvions aller beaucoup plus loin, fédérer toutes nos forces pour aider nos parents à atteindre un certain développement localement. Les jeunes, avant, étaient laissés pour compte. Lorsqu'on parlait de développement, c'est les cadres qui venaient échanger avec les populations et il n'y avait pas de substance derrière. Et grâce à cette mutuelle-là, je pense que les cadres ont compris l'intérêt d'associer les jeunes parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les jeunes sont mûrs, les jeunes sont formés, les jeunes sont instruits et cette jeunesse peut participer valablement au développement de notre sous-préfecture. Une initiative soutenue par les participants. Une très belle initiative. Elle parle de la cohésion, du développement. C'est ce que nous recherchons. J'ai vu juste venir, les encourager et donner mon avis, sinon mes avis, sur certains problèmes de la sous-préfecture. C'est une très bonne initiative, en ce sens que ça appelle la cohésion des fils de la sous-préfecture de Arikoka. Toutes tendances confondues. Et c'est leur objectif surtout, c'est le développement. Cette rencontre a également été marquée par l'annonce d'une visite de terrain et de la sensibilisation des populations à la préservation des atouts de développement socio-économique de la région. Un mot de religion dans cette édition. À la Mecque, pour le Hadj, certains pèlerins commencent par la Umrah, le petit pèlerinage qui se fait en une demi-journée. Alors, comment justement se fait la Umrah? Réponse à cette question avec notre envoyé spécial à la Mecque, Bintou Pekele. Ces pèlerins ivoiriens et d'autres nationalités en vêtements de sacralisation viennent d'arriver à la Mecque pour le Hadj à Tamattu, l'un des trois types de Hadj selon l'islam. D'abord, ils doivent faire la Umrah, le petit pèlerinage. Elle se fait dans l'enceinte de la mosquée Al-Haram. Pour y arriver, il faut s'organiser, retirer les chaussures, aller en rang serré et réciter la baïka, la prière de la réponse à l'appel de Dieu. Cette invocation prend fin à la vue de la Kaaba. Ceux qui la découvrent pour la première fois peinent à retenir leur lame. Première étape de la Umrah, après la formulation de l'intention, c'est le tawaf. Il consiste à faire 7 fois le tour de la Kaaba. Et la Kaaba représente le sens d'orientation de la prière pour le musulman partout où il se trouve. Le tawaf est considéré comme une prière surrogatoire dont le musulman doit être concentré. Celui qui fait le tawaf pense à lui et pense à sa famille et pense à son entourage. Et il doit faire des prières pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous apporter la gloire d'ici-bas et à l'au-delà. En marchant, chaque pèlerin fait ses invocations et ses demandes à Allah le Créateur. Certains revisent leurs notes, d'autres immortalisent l'instant par des prises de vue. Le pèlerin qui termine le 7e tour de la Kaaba complète son tawaf par 2 unités de prière. Avant d'entamer la prochaine étape, le saï parcourt Safa et Marwa.
Cette distance d'environ 3,5 km commémore la course de Hagara, la deuxième épouse d'Ibrahim ou Abraham, à la recherche de l'eau et de secours à la Mecque. Elle s'est déportée sur Sofa pour voir si elle pouvait avoir assistance. Et de là-bas, elle a couru pour aller sur Marwa pour voir si elle pouvait avoir assistance. Mais malheureusement, elle n'a pas trouvé quelqu'un. Mais au contraire, c'est le créateur Subhanahu wa Ta'ala qui lui est venu en secours en lui donnant l'eau de Zamzam. C'est une manière de montrer aux humains que celui qui accepte la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah te vient toujours en secours. Et à la mémoire de notre mère, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous oblige à faire cela et qui est un plié du Hajj et en même temps un plié de la Umrah. Hagara a fait cette fois l'aller et retour entre les monticules de Safa et Marwa. Aujourd'hui, l'espace a été reconstruit, mais les limites sont connues. Arrivés au niveau de la lumière verte, les hommes doivent courir. Puis, ils reprennent la marche aux côtés des femmes. À la fin du septième tour à Marwa, les pèlerins sortent par cette porte. Les hommes doivent se couper les cheveux. Pour les femmes, c'est un petit bout de la chevelure qui sera coupé. Le pèlerin retourne à l'hôtel et retire sa tenue de sacralisation. Mais si un seul de ses piliers est omis, la Umrah est nulle et sans mérite. Et pour rattraper la Umrah, le pèlerin doit se retirer de la Masjid al-Haram jusqu'à la mosquée Aïcha, l'une des épouses du prophète de l'islam, pour reformuler l'intention, car l'intention est la première obligation d'une validation de la Umrah. Ou tout simplement retourner dans son pays et revenir une autre fois pour pouvoir accomplir sa Umrah en espérant se voir expier les péchés. Et contrairement au Hajj, la Umrah peut se faire tout au long de l'année musulmane. Comme annoncé en titre, au Mali, le oui l'emporte à 97%. C'est ce qu'a annoncé ce soir l'autorité indépendante de gestion des élections qui a proclamé les résultats du référendum tenu le dimanche dernier sur le projet de nouvelle constitution voulu par les autorités de transition. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur la chaîne toujours plus proche des populations.